Alors, intervention dans tout le monde sur les réseaux sociaux et matin des juges nécessaires pour nous défendre parler sur ça. Est-ce que vous malaise entre le président Jovenel Moïse et le président, l'ancien président, donc Joseph Michel Martelly? Bon, et ma bonne question, mais normalement c'est à président Martelly pour ta répondre. Ouais. Mais comme on a fait politique, mais même à ce que je sache, depuis le Jovenel fin prend pouvoir, il démarque de Michel Martelly. Okay. Et ça c'est parole. Et pas grand pile monde qui pas connaît yo, grand pile monde qui toujours comprendre et que Michel y a des très bons rapports avec le président Jovenel, parce que le président Jovenel soit une situation économique très critique avant que le monde comme président de la République. Mm-hmm. Et donc c'était nous-mêmes, mais même personnellement, qui t'a fait politique, qui était magistrat en ville, qui est sénateur de la République, et nous t'ai embrassé cause là, parce que Michel Martelly s'est décidé, et m'a tout de tout que, mais pas la PHTK, nous sommes alliés directs de Michel Martelly. Il faut faire cette différence. Très bien. Et on va allier PHTK. Mais c'est clair, mais faut d'accord, tout que de vous parler, c'est, pour que vous considérez, c'est Michel Martelly qui parlait, et vous confirmez ça maintenant. Bon, c'est un peu. Qui a dit tout ça? C'est à. Bon, je ne vais pas dire non, mais ce n'est pas ça lié, parce que okay. Michel Martelly, il n'y a pas de boule, il dit à la nation. Ouais. Et je dis à ma vie, il fort. Et sûr, bien sûr, que je vais raconter Michel samedi, parce que c'est sûr qu'il n'est pas tendu là pour le moment, parce que au fond, qui j'en ai. Mais ma vie, que le président Michel Martelly, l'ex-président, je pense qu'il doit s'excuser à la nation et pour ce mauvais choix. Et je pense que le président Martelly devrait. C'est une grosse déclaration, le sénateur avait là. Oui, c'est une grosse déclaration. Une bataille de déclaration pour moi. Je fais pour la nation, je fais pour l'autre monde qui a vigné, je fais pour l'autre monde qui parle candidat pour nous suspendre, prendre des candidats à la volée, pour nous suspendre, prendre des mondes pour nous sauver aux situations. Vous avez vu, non? Et le pouvoir d'obtenir. Et alors, c'est pas 4 plaques finies, non? Non, il n'y a pas 4 plaques finies, non. Non, je ne sais pas, il a dit les médicates. Oui, alors, sénateur là, ok, très bien, on allait. Oui. Si on s'est aspirant, ou pas le candidat, ou bien mon parti politique, par exemple, PHTK, il faut que vous préparez même les gens. Et la République dominicaine, les gars, fait là, il y a préparé 2024, 2028, 2030, 2040, et dans le parti politique là. Son gros déclaration, le matin là, vous avez le sénateur des années. Son gros déclaration. J'assume toute déclaration, mieux. Et je regrette pour seule déclaration, comme je fais sur des familles, on a dit tuer, je dis que je n'ai pas le droit de tuer, mais en fin de compte, je ne vais pas le dire. Mais à côté de vous, vous méritez ça, mais quand même, vous ne pas tourner sous ça. Nous quittons pas. On avance. On va avancer pour nous dire que, malheureusement, il existe depuis le Jovenel fin pour pouvoir. Et d'ailleurs, je dénonce tout le temps, et d'ailleurs, chaque temps, je parle dans la radio, je veux dire. Parce que, comme nous sommes pour Dieu Michel Martelly. Pas du pouvoir être PHTK, pas du pouvoir être Cali. Et il faut nous faire différence là. Parce que je n'ai pas parti politique, pas dans le département sud-est, je n'ai pas PHTK. Ok, je suis allié de Michel Martelly. Donc, alors, il y a mon capitaine de là qui a dit que la position qu'on a là, c'est parce que justement, suite à la dernière intervention qu'on a fait, et dans le rapport avec Jovenel Moïse, c'est parce que il y a des de jeunes dans le pouvoir ou pas de jeunes, il y a des gens qui sont capables comme ça, c'est pas le cas, non? Bon, écoute, mon nom c'est Edozé. Je ne sais pas, je ne sais pas, Papa m'a construit dans le département sud-est, il a laissé ce qu'il a laissé, m'a continué sur route là. M'a pas de problème personnel avec Jovenel. M'a pas de problème pour me bien que je fasse une déclaration, c'est le premier problème là. Je fais une déclaration parce que le président de la République, le département de Mfel, mais il t'a expliqué certaines choses sur des familles dans le pays et il t'a envoyé des documents archivés par moi. Donc sur ce, j'ai réagi. Parce que je pensais que mes petits-enfants, mes enfants, et des problèmes. Pas même moi, je suis un homme qui a 50 ans,
Et petit nous avons un problème. Le gars des familles qui ont fait 10, 15, 20 millions de dollars US. Et pour moi, dans le pays, je pense que nous avons un problème. Nous avons une bourgeoisie qui ne travaille pas, nous avons une bourgeoisie et qui sont bourgeoisie, comme toujours dit, salope, qui a un problème dans le cerveau. Donc, je dis à la, je fais déclaration. Je fais une déclaration, le président de la République a eu le tout père de monter avion avec même Mounzaïo, là en France, ça fait 10 jours. Eh ben. Voilà, mes côtés problèmes ont commencé avec le président Jovenel Moïse. Ok, qui ça, et, vous pensez que le président Michel Martelly, ou du moins l'équipe de Michel Martelly, t'es qu'à reprocher Jovenel Moïse? Qui ça? Écoute, le président Jovenel Moïse avait bien dit, et même personnellement, il a dit, nous avons fait une campagne pour lui, des chefs de campagne dans le Sud-Est, nous avons entamé la doctrine de Thomas Sankara. Et Thomas Sankara, si quelqu'un ne dit pas qu'on est né, je fais éloge de Thomas Sankara, c'est mon idole, mais de surtout, bah, il m'a fait son nez qui dégaine au principe, on côté le pour aller avec le pays. Le président Jovenel Moïse avait promis qu'il devait corriger les erreurs de son prédécesseur, de Michel Martelly. Donc, il fait plus. Il dit que Michel Jodia, président Martelly Jodia, acceptait que le fait erreur. D'ailleurs, je n'ai rien dit. Mais juste interpréter et les paroles de Michel Martelly, de l'expression. Je n'ai rien dit. Moi, juste interpréter. Et ça, Michel dit, clair que le pays va mal. Le pays a plus mal que l'été fait prendre. Le président Martelly dit que l'été là, touriste était au top, que sécurité n'a pas de mal, il était au top, et ça allait, ça marchait. Il bien dit tout, que il regrette que du pas son barail. Et c'est un bail conjoncturel, c'est un bail structurel que j'ai fait. Le président Martelly a bien parlé. Jusque-là, je répète ça, je dis. Et même, je continue pour me dire que M. Jovenel, c'est un foudou. Monsieur le président, c'est un foudou. Jovenel Moïse, c'est un foudou. C'est un foudou. Ce gros les garçons dit ouvert la matin là, oui. Il est un foudou. Jovenel Moïse, c'est un foudou, son monde foudou. Oui, son monde qui pas prend la vie, qui pas prend la vie pour la boue, roche tout le monde, marche tout le monde, mais c'est un foudou. Dans un pays organisé, et même genre, si monsieur opposition a baissé faire la chambre de but de là, faut être affaire un psychiatre. Sortez-moi là! Quoi les gars sont vraiment dans la vie, sénateur Edozoni? Oui, faut être affaire un psychiatre parce que il a des problèmes. Parce que le pays, regardez, au monde pas de dire au monde que le pays a marché mal, tout le monde a mouru là. Pas que mon qui va mourir là, non mon dieu dit si peuple tout pour la mourir. Mais même les gars perdent caillou là, les gars perdent hypothèque, ils étaient pas capable la banque, mais même comme si tout le monde a problème. Tout le monde a problème là, pas que ce petit malheur là, je malheur, écoute, malheur toujours un problème lui même, depuis le fait il a problème. Il y a des mecs qui doivent mes amis d'enfance mais nous même pas manger, mais c'est en ballon. Donc, mais même qui va qu'on mette celle en balle, qui va venir mettre celle en balle, et puis dit pour moi qu'il va mettre celle en balle. Mais même qui était là, les attaques que j'ai ici en douleur, qui va tomber, parce que pour tomber à devant. Parce que si le pays arrive pour ça, par exemple, il va taper des billions. La banque, lui même pas bien qu'on soit déjà, moi arrivé, si va être contre tout comme là, il y aurait le bonjour, monsieur Denis, vous n'avez pas encore payé. Ça va gagner. Même des divisions qui ont dans la ville, Jacques Mel. Qui a fait tiba en relation avec lui. Mais, il paye avec 10 jours, 15 jours, 20 jours. Il est passé sous barricade pour venir toucher, oui. Très bien. Il dit que les gens ont fait barricade pour venir toucher, pour toujours arriver. Très bien. Sénateur Edozoni, et j'en parle à la. Il y a des gens qui comprennent que j'en parle à que. Ou fait partie de notre équipe. Mais je dis à m'oublier que c'est 52 présidences Michel Martelly qui viennent bailler, je dis à. Et un président Jovenel Moïse au pouvoir, c'est la même équipe. Maintenant, ça va proposer là, je veux dire là, Guillaume Kigado, que écoutez, c'est la même famille. Et est-ce que, par contre, démarcation quelque part, qui commence à faire là, non? Ah non, mais même mal depuis quelques jours, je suis le président, mais je suis le président, Michel Martelly pour faire des déclarations, pour avancer. C'est, ou bien le président fait politique, ou bien fait musique. Ouais, s'il a fait musique, moi je suis un fidèle de ce qui. On va incontester, et m'a toujours dans le pays, il n'y a pas de problème. Mais c'est, il faut faire un choix, parce que je dis à le pays à la dérive, affaire de nègres, affaire de malisation, comment vous avez, je venais aller, être un foudou, va voir. Dis, mais vous m'avez crasé le pays, et puis d'ailleurs, même, je ne vais pas me prôner pour le président, je venais aller. Je ne vais pas me prôner ça.
pas besoin d'aller parce que là il y a plus d'instabilité, même besoin que yo quitte, même j'aime dire pour président Aristide, m'pa l'envoyer aller en ken président parce que la stabilité et commence par quitter président Fernandel, quitter le bêtisé, quitter ba, et puis l'opposition se prépare pour prendre le pouvoir. C'est comme ça dans tous les pays côté que démocratie et côté que monétaire. Et vous êtes pas monétaire, tout a manifesté pour craser, briser, voilà, faire mon régime. Là, c'est pas l'intérêt. L'intérêt, c'est quitter le certain lieu. Et puis, qu'on y a là, il ne pourra plus être président. Rien n'a payé encore. Et pas le manger, ça le fait. Monsieur le sénateur, sénateur. Oui. Monsieur Escacrage tire ce qui était là, parce que si la continue, c'est de mal en pile bralé, est-ce qu'on va demander pour continuer pendant ce temps pas dirigeant? Non, le problème qui a, c'est que mon qui va venir, pas le faire en plus tout. C'est le problème là. Okay. Ça veut dire si dès qu'il y a un monde qui t'est préparé, ou une opposition qui t'est préparé, ou une opposition qui t'est promet, qui t'est projeté un bagage, qui t'est dit voilà, mes côtés de aller, mais l'opposition. Ces jeunes ont besoin de jeter pour la remplacer, pour retirer les délégués, pour retirer mon dans tout l'arrêt international. Je promets pour ne pas avoir le pouvoir. C'est au toi que je m'y mette dans la donne. Et ça vient d'où? Et ça vient d'où? Pendant que l'opposition lui-même tout, l'a contribué dans faire payer un mal, parce que chaque temps crasé, libéré, la rue, paye au vin-tichet, américain monté. Donc c'est laisser le président faire bêtise. Mais au moins la bonne seule entité qui a fait bêtise, c'est le gouvernement. Mais ou même, par exemple, au target dans le Parlement. Le Parlement, supposé que je vais dire, d'ailleurs, on va être capable de comprendre. Et regardez, l'homme du président, son monde froid, on fout d'où. Ou à l'attaquer Joseph Lambert. Est-ce que le président pas fou? Ou à l'attaquer les deux ennemis. Bon, je dis en bas, moi, je suis un citoyen. Donc, moi, je suis un commerçant qui peut-être pas besoin de Jovenel pour faire rien pour moi, tant que j'aime mieux comprendre. Mais l'on attaque Joseph Lambert. L'on perd du Joseph Lambert, est-ce pas fou? Ou n'est-ce qu'il t'a allié ou allié sûr? C'est là que je suis. Donc c'est des gens qui voulaient jeter pouvoir pour en fait jeter Jovenel Moïse pour capable de prendre pouvoir. Est-ce que ça t'a dit que nous-mêmes au niveau de l'équipe de Michel Martelly, entre guillemets, l'équipe de PHTK, n'a pas organisé nous pour nous faire opposition face à Jovenel Moïse? Bon, Babo Baptiste, mais même moi l'opposition déjà. Mais si le président Martelly ne s'aligne pas pour venir peut-être là pour faire opposition correcte là, et 2022. 2022, je ne sais pas si le président il est candidat. Donc, ça veut dire que si nous parlons d'opposition, elle dit que, comprenez bien, madame, monsieur, nous avons un capteur d'interview ça avec le sénateur Edouzini. Il y a deux bagages importants que le sénateur a dit. Un, il parlait de l'opposition, que l'opposition se prépare. Ok, après ça, il dit que, monde qui là, on a opposition qui là, là, c'est pas monde justement qui est pays vraiment. C'est des monde qui est pouvoir jeter journal puis eux-mêmes, ils sont capables de venir prendre pouvoir. Et maintenant, la dénoncer pour le journal là, ça veut dire que, je dis là, l'équipe de PHTK, entre guillemets, l'équipe de Michel Martelly, nous sommes en route là pour nous faire opposition, pour nous acheter journal pour nous-mêmes nous reprendre comment de situation. Non, nous pas besoin de jeter journal. Mais même, moi bien dit, nous pas besoin de jeter journal. Pas besoin de jeter journal. La question maintenant, comment on réussit tout ça? Comment corriger tout ça? Nous sommes d'accord que le gouvernement n'est pas bon. Nous d'accord que la manière dirigée, les relations pas bon entre les deux équipes. Maintenant, comment corriger tout ça? Comment on met moins correction? Bon, j'aime ça dire sur l'opposition. Pour l'opposition, il faut que le président Martelly soit que je fais musique, soit que je fais politique. S'il a fait politique pour rassembler tout le monde qui était le pouvoir, il était une fois, pour rassembler tout le monde qui l'a toujours, et qui aujourd'hui a, qui sont des frustrés de ce pouvoir que le président Martelly a mis en place, qu'il a donné à Jovenel Moïse le pouvoir d'être président, parce que nous sommes tout à l'heure. Si pas bien Michel Martelly, il va bien Jovenel. Eh bien. C'est profitable. Par exemple, quel monde en Haïti qui t'a baillé Jovenel pouvoir? Point final.
il peut être sénateur, il peut être Kazek la caille. Ou Kazek. Je n'ai pas de problème. Mais j'attends mon cabrinien. Mais nous créons la vérité. S'il n'y avait pas de Michel Martelly, il n'y a pas de Jovenel Moïse. Parce que je ne dis pas de Kazek la caille. Point final. On finit ça. Il est président de la République. Sénateur Edo. Oui, oui. Est-ce qu'on ne pas croit que le pouvoir vient de Dieu? Le pouvoir vient de Dieu. C'est ça. C'est ça qui écrit, mais comme je suis bon Dieu, je suis Eh bien, ok. Il va la faire politique et bon, ça, le sénateur a dit, il n'est pas être censé. Parce que Jovenel Moïse n'est pas dans la politique. Et les patates militaires non parti politique il est clair que tout le monde comprend ce qui a passé là parce que nous maintenant nous analyser et nous commenter et nous faire débat mais matin ou clair là donc tout le monde comprend que la gâté là entre les deux messieurs entre le président Joseph Michel Martelly et le président Jovenel Moïse et Je dis que les amis de Michel Martelly, et nous catégoriquement, et en face de Jovenel Moïse, je ne pas dit le président Martelly parce que c'est à lui de décider, c'est à lui de dire. Mais moi, je ne vais pas parler au nom du président, je ne vais pas parler au nom de Edo Zeni, ancien sénateur, ancien magistrat de Villemain, qui a fait politique toujours. Mais qui campait là, qui a gardé le pays à trajet, que tout le monde va mourir. Nous tous dans le même bateau, nous avons le même avion, comme si nous avons le first class américain, et puis je suis allé en dedans, et puis je comprends que je ne peux pas mourir dans le first class. Alors je dis que parce que dans le first class, maintenant j'ai trois fois par jour, je vais acheter une belle machine, mon papa me quitte ça, grand-père me quitte ça, et puis même je viens faire ça, je vais faire un comme, et puis je pense que bonjour, je vais lever une petite maman, madame, je vais vivre de l'autre côté. Ce n'est pas possible. Je ne vais pas vivre de l'autre côté. Mais pas capable parce que là, elle a me levé, elle a me pipi, elle a me fait tout bagaille là, elle a me bouc Jacmel. Donc, je ne peux pas quitter Jacmel pour Jovenel Moïse. Sénateur Edo. Il va craser le pays, il va continuer à craser le pays, il va démanteler le pays. Et c'est moi qui te mettais, et je dis à la nation de m'excuser de même. Moi, je dis, monsieur le capitaine de la Jovia, je me retire sa femme. Je dis, pardon, de ce que me demandez nous voter Jovenel Moïse. Sénateur Edo, félicitations. Mais bon, moi, non, bagaille. Ou gagne des responsabilités côté gagné dans pays an, une dans commune Jacques Mel magistrat et sénateur de la République. Donc ou son monde qui te gagne responsabilité républicain, ça veut dire que ou te gagne une grosse responsabilité dans pays an. Est-ce qu'on connaît toute responsabilité côté gagné yo? Pas mando pour gagner un comportement irresponsable. Lorsque ouais pays a crasé, parce que quand on passe eux-mêmes, comme sénateur de la République qui s'est institution républicain, qu'on y a la faute, même si c'est qui pour, ou t'as doué réuni pour qu'on commence à bloquer et moi agir à venir plus tard. Bon, mais beaucoup sur du Milano, ou dit que on respond un bagaille qui je dis là. Irresponsable. Oui. Ah ouais, non. Au contraire, au contraire, je suis très responsable. Parce que Bamjo, si tout le monde honnête et responsable, je vais t'apprendre la juge à la nation haïtienne de m'excuser. Ouais, voilà, mon pardon. Je vais t'apprendre pour me continuer. Bah, d'ailleurs, une des plus grandes choses, c'est que quand quelqu'un est président de la République, et puis divine président par le bien d'un système, d'un circuit, ou bien d'un parcours, ou bien d'un côté que nous en Italie, par exemple. Mais écoutez, mais si je dis à ou pas coûter à quel monde, d'ailleurs, il y a des barres, faut entrer là-dedans parce que ce système-là. Pourquoi ce système-là? Faut qu'on système-là. Eh bien. Allez-y, ça veut dire que je dis à la Mbakatan et président Jovenel, qui finit de bailler, je dis à, puis demain matin, ils font leur bagaille. Ouais. Il dit ça, je dis à demain, ils font leur bagaille.
ça c'est une des plus grosses faiblesses président. Donc je dis là mais pour m'assumer en fait pour maintenant tout ça qu'a fait là c'est démagogie, question mise en accusation gouvernement et capitaine yon ratification. Donc tout ça c'est pour faire passer le temps, tout ça c'est démagogie selon vous-même. Bon, m'pa dire démagogie, mais m'pa pense que yo mal abordé li, et m'pa pense que mettons président en accusation, son paquet de bagages sont gros bagages, c'est la nation qui va le payer des conséquences si demain matin on a jeté président. D'accord. Et d'ailleurs, mettons président en accusation, la constitution dit clair qui est-ce qui va et remplacer. Et nèg yo même dou, yo parlant constitution amendé. Yo la constitution 47. Donc chaque on a cherché non monde ba yo et c'est ça fait m'dou que nèg yo manqué de responsabilité et ça fait m'dou que il faut que l'opposition ou l'autre union se prépare parce qu'on pas capable préparer pour bon pouvoir. On pas capable prendre la rue crasé brisé et puis demain matin c'est président Jovenel aller par mon qui c'est pas le président. C'est bien. Ça veut dire que même si constitution dit qu'il ça couvert mais autant de Moïse Charles du bagaille autant de et André Michel Dumbagay, autant de Assad Gossid Dumbagay, autant de Petro Challenger Dumbagay, chaque monde Dumbagay. Donc, écoutez, nous allons tomber dans le plus gros problème que Jovenel Moïse. Parce que nous avons le plus gros problème que nous avons, c'est que nous pas préparé l'avenir de notre pays. Et c'est même, et l'autre dirigeant ou bien l'opposition, c'est un compère de famille, oui. Mais même là, aujourd'hui, pipi, grand gagne devant, même qui t'a préparé l'université. Nous qui sommes préparés, parce que j'ai deux petits garçons, me dit, une d'ailleurs dit, je ne vais pas aller à l'école. Je ne vais pas continuer à l'école, c'est camion ou bien c'est le bail. Mais préparé pour vous. Elle dit préparé pour tout le monde. C'est la même chose pour l'homme de mon parti politique. Soit pour combien de monde qui est président. Et si monsieur n'est pas président, il faut que zèle de numéro 2, numéro 3, numéro 4, numéro 5, numéro 10, il faut que j'ai ça tout. Donc je dis à plein pouvoir, pas rien. Plein pouvoir, pas rien. Mais c'est. Continuer et faire bagaille qui vont pour payer à quelque part. Je dis à ce qui est arrivé à PHTK. PHTK n'avait pas de doublure, il n'y a pas de l'autre monde. Moune bien qui était long la mode, long la mode, il y a opposition au Réli, il y a le courant, long la mode prend le courant, et puis il y a pas de monde. Eh bien, ok, sénateur de Zoni, la situation étant ce qu'elle est. Maintenant, quelle est donc la chance de réussir pour le président Jovenel Moïse pour réussir? Quelle est donc la chance? Je ne vais pas dire qu'il n'y a pas de chance parce qu'il était un de deux ans, mais non. Mais qui chance qu'il y a là? La situation est aussi qu'elle est. Nous voyons sa situation est là, je dis là. Lié ça lié là. Maintenant, qui chance selon vous-même qu'il y a pour réussir? Malgré tout. Je ne vais pas croire qu'il y a chance pour réussir encore. Il n'y a pas de chance. J'ai l'impression. C'est fini pour Jovenel Moïse selon vous-même. Comme président de la République. Mais je ne vais pas dire plutôt qu'en essayant de faire président, c'est moins tort à la nation. Mais ça veut dire que ça. Mais comment est-ce qu'on est capable d'éviter ça? Non, avec ses amis qui sont, ses conseillers qui vont à côté de lui. Non, non, vous faites dire là que le baguette chasse encore, non? Ou le baguette chasse encore? Non, mais je ne dis pas. Est-ce que son père est gagné? Ou d'accord? Elle dit qu'il y a une contradiction là. Non, je ne dis pas que je chasse pour le réussir, non? Mais dis-le. Vous faites dire que le baguette chasse pour le réussir. Mais c'est ce que je fais, ça m'a pas. Donc c'est fini pour lui en fait. Si le baguette chasse pour le réussir encore. Il va continuer à être là. Tout le temps que l'autre est là, c'est fini pour lui. Non, mais faut pas faire plus tort à la nation. S'il continue à faire tort à la nation, on a plus mal toujours. Donc, vous avez mal voilà, de... il faut arrêter. Écoutez, il faut arrêter l'hémorragie. Il y a un problème. Sénateur Dozeni, écoutez, madame, sénateur Dozeni a fait communication. Si vous reconnaissez qu'il n'y a pas une chance là encore pour le réussir, et il y a encore arrêté 2 ans pratiquement sur le pouvoir, et vous demandez pour pas continuer à faire tort à cette nation, il faut arrêter l'hémorragie. Comment c'est dit qu'on dit, ou dit pour le démissionner, c'est ce qu'on dit là, oui. Non, on va pas me dire. Non, mais ce sont les Non, en 2 ans, qui sont présidents qui a réalisé. Ok, nous d'accord avec vous. Avec Jean opposition et avec là, Captain Getty chaque 15 minutes. Et il n'y a pas construit un. C'est pas construit un bagaille. Au moins d'être commencé un côté. Et puis dans 2 ans, la prise de tel côté. Mais qui ça où est président commencé? Okay. Le président pourquoi j'aime dans le sud-est. Ok. Il n'y a pas comment même ou même
Il y a dans le gouvernement, pas comment il y a dans le sud-est. Nous avons là pour New York, là, qui c'est un mille bagaille pour nous. Je dis à la classe des présidents, il y a une pas, il y a toute commune, il y a une pas sans rien, non? Ok, Il y a un peu de temps. Bon, budget avant qu'on vote, parlement va le tomber, il va diriger par décret. Il va diriger par décret en janvier, c'est ça, j'espère. J'espère peut-être en janvier, par décret, par c'est passé tout le monde, on va dire dans le Ok, la question maintenant, comment arrêter cette hémorragie, sénateur Edozeni? La seule chose, il faut que le président écoute ses conseillers, il faut aussi que ses conseillers, c'est des conseillers qui sont capables aborder Bayou, je vais aborder. Écoute, Michel Maté était François Bayou. Michel Maté était François Bayou, il détendait. Et m'a dit Réginal Boulot, je dis à qu'en face, tout le monde a eu, qui je dis à que Réginal Boulot c'était construit Jovenel Moïse. Tout, je dis à la, m'a dit pour elle, si Maté lui, pas de conseil et qui fait que le pays a été outillé. M'a dit pour elle. Aujourd'hui, c'est la seule chose qu'il faut faire, oui. Il va être dans la même. Il n'a pas de projet durable pour le pays. La première chose qu'il fallait avoir, c'est des projets durables pour un pays. Tout le monde a des projets durables. C'est des bails conjoncturels. Si tout a bouché dans la rue, si de l'eau a fait venir un petit gallon de l'eau, on n'a pas de pays. On n'a pas d'avenir politique. La caravane a mouru depuis. Monnaie. C'est quelque chose de monnaie. Il tout mouru. Donc je dis à la Haïti, d'où on vous mélange encore avec des. Des bourgeois, de nous, on en a fait, que nous devons pas qu'être maillants, parce que trois cas, le président Jovenel dépend, le crédit dépend, oui. Trois cas. Donc ça veut dire que toute matériel, ou un vinage, que dans le département nord, l'ouest, de l'autre côté, c'est crédit dépend, oui. Le jour d'hier, son lot pétro, c'est l'autre, son lot, en fonction de l'État, que nous devons. Et moun sa rende dans le pays. Donc, c'est ça, je résume par l'autre bagage, Louko, que monsieur Prenson voulait dans deux derniers. Année que l'été là, il tend des moun et puis il prend des bons conseillers pour avancer parce que conseiller ça là, il n'y a pas vraiment parce que le pays a un tout boum. Oui, mais en attendant, on a opposition. Mais non, opposition, ça, oui, je me dis à mon cap. Oui, mais ça fait l'opposition quand même. Oui, mais même m'balan pouvoir quelque chose. M'balan pouvoir, m'balan depuis m'balan pouvoir. M'balan, d'ailleurs, je ne réponds plus au téléphone du président de la République. D'ailleurs, il n'a pas besoin de m'appeler, je ne peux pas répondre au téléphone du président de la République. Donc, vous ne pouvez pas répondre au téléphone du président de la République. Je ne peux pas répondre au président de la République jusqu'à ce que le mandat fini. Le mandat fini, je ne peux pas répondre. Eh bien, sénateur Edozeni, merci en pile. Avant d'aller, et parti politique, ou bon parti régional, ou bon parti national. Et parti politique, comment aller? RPPD, Rassemblement des Patriotes Progressifs. Et longtemps, il l'a, je ne vais pas dire qu'il y a un fait chèvre. Oh, RPPD. RPPD, Rassemblement des Patriotes Progressifs. Régional ou bien national? National. Mais on a focus sur le département, on a focus sur région seulement, nous ne pas le bout et nous dans. Parce que l'intérêt de ma chose, moi-même, c'est de voir changer le sud-est, même si Haïti doit aussi changer. Mais je dis à la débat que nous t'ai proposé, président. Par exemple, madame, il y a la petite enfance qu'on a créée dans le département sud-est, et des gros bases qu'on a fait, mais on a fait pour le département, nous, parce que chaque mail, je dois, moi, doué, commune, moi, doué département, parce que c'est l'âme faite, c'est l'âme à mourir. Jacques Mel m'a vu naître, là où elle mourit, donc moi, doué, côté me fait là, donc ma travail avant de mourir, pour me satisfaire, et le département sud-est. Merci, sénateur Edozeni, merci parce que tu réponds à l'invitation de matin. Merci d'être bambalé sur l'émission là, qui sont une bonne émission. Je salue le député Anne, je salue Samana, je salue Zahine, je salue Dijon, là, qui est là. Je salue la joie, Merci à tout le monde. Merci en pile. Bon, c'était donc l'ancien sénateur.